Salut à tous, je m'appelle Alison et je fais cette petite vidéo pour vous parler du chill. Parce qu'il y a maintenant un peu plus d'un an, Jackson a été diagnostiqué HSHA, hypersensible pour sa part. Et notre quotidien est devenu petit à petit invivable. J'ai essayé pas mal de traitements que vous devez connaître si vous avez un chien comme ça, type le Zicken, des cures de fleur de Bac. J'ai vraiment tout essayé. Et communication animale, tout ce genre de trucs. J'étais vraiment désespérée parce qu'on est arrivé à un stade où malheureusement Jackson ne supportait plus de sortir, il voulait même plus aller se promener. J'étais obligée de le traîner, il tremblait au moindre bruit, il se cachait dans les buissons. Vraiment, il jouait plus avec les copains. Ça devenait vraiment, ça me déchirait le cœur de voir mon chien dans cet état-là. Et un jour, j'étais tellement désespérée que j'ai mis un message sur un groupe de bergers australiens, savoir si d'autres personnes étaient dans ce cas-là, s'ils avaient un traitement que je pourrais essayer à nouveau pour essayer de le soulager. Et une jeune fille qui, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore, m'a conseillé d'aller voir Amy. J'ai donc pris contact avec elle. Elle m'a présenté ce qu'était le chill, qui à l'époque n'était pas encore breveté. Il était encore sous forme de poudre, en petite gélule. Enfin, voilà, on est dans les premiers à essayer, j'imagine. Donc je lui ai fait confiance directe. Elle m'a tout de suite mise en confiance. Elle m'a expliqué pourquoi elle l'avait fait. Vraiment par amour des animaux, par passion. Vraiment pour soulager le quotidien de certains loulous qui avaient des soucis de comportement. Et j'ai reçu ma première boîte, j'ai dû commencer début mai. Donc depuis le mois de mai, Jackson est sous chill. Et clairement, c'est plus le même chien. J'ai retrouvé le chien que j'avais avant qu'il déclare ses peurs, donc c'est-à-dire la première année. Bien sûr, c'est pas miraculeux. C'est toujours ce chien hypersensible qui a peur de pas mal de choses et il le sera toujours. Mais ça n'a rien à voir. Il reprend plaisir à se promener. Il joue avec les copains comme un fou. Il va se baigner, je l'emmène à la plage, je l'emmène absolument partout. Et il prend plaisir. Il s'éclate. Je vais vous mettre quelques vidéos pour vous montrer à quel point maintenant il a retrouvé un quotidien. D'un chien normal, qui est sensible, mais un chien normal. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier Amy et Inuki du coup, grâce à qui le chill a vu le jour. Parce que grâce à toi, j'ai retrouvé mon chien, j'ai retrouvé le bonheur. Parce que clairement, ça me bouffait de le voir comme ça. C'était une chaîne sans fin, j'étais pas bien, donc il était pas bien. Et je voyais plus de solution. Et vraiment, merci, 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 merci. Ne lâche rien, continue à sauver ces chiens. Et voilà. Merci encore pour le chill. Je suis vraiment super heureuse d'avoir pu te rencontrer. Malheureusement par message, si un jour je viens vers la Belgique, c'est promis, je viens te voir. Et si tu passes par Nantes, tu es la bienvenue. Je serais ravie de te montrer, pardon, les progrès de Jackson. Et voilà. Je vous laisse encore avec quelques photos et vidéos de mon loup super heureux. Mais si vraiment vous hésitez, foncez, essayez le chill. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Et vraiment, moi, ça m'a changé la vie et Jackson sera sous chill jusqu'à la fin de sa vie. Voilà! Bonne journée à tous! Et on dit merci, Amy! T'es prêt?